Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Merci aussi Constance de m'avoir proposé cette place et cette scène pour pouvoir partager avec vous un thème qui me tient aussi fort à cœur, c'est celui de l'humain que nous sommes dans le monde du travail. Je vais passer à ma présentation. Voilà. Et je vais vous proposer que nous explorions deux leviers écologiques sur lesquels chacun de nous, chacune de nous peut véritablement agir. Chacun de ces deux leviers, chacune de nous peut vraiment l'actionner pour justement améliorer cet environnement et faire en sorte que nous puissions à nouveau retrouver du sens dans nos activités professionnelles pour pouvoir, à nos places de travail, nous épanouir et voire même y ressentir du plaisir. J'utilise à dessein le mot plaisir plutôt que bonheur parce que Aline citait tout à l'heure ce qu'on entend beaucoup, ce qu'on lit beaucoup, le bonheur au travail. Pour moi, le bonheur au travail, tout simplement, n'existe pas. C'est un leurre. Le fait de pouvoir s'épanouir au travail et d'y ressentir ponctuellement du plaisir peut contribuer au fait que nous soyons heureux, peut contribuer à notre bonheur. Ne mélangeons pas tout, parce qu'en effet, on entend beaucoup de choses. Les deux leviers sur lesquels je vais vous proposer quelques pistes d'action, le premier d'entre eux, c'est celui par lequel, moi, personnellement, je définis le terme, ou j'explicite le terme RH, parce que je déteste cette appellation ressources humaines. J'estime que nous valons beaucoup plus qu'une simple ressource. Oui, comme le disait Aline, nous avons des ressources à disposition pour pouvoir développer et pour pouvoir travailler, relever nos défis. Pour moi, le terme RH, j'aime bien la richesse humaine, mais finalement, il s'agit de relations humaines qui dépendent de la façon dont chacun de nous fonctionne. Et c'est ce que nous allons aborder d'ici quelques minutes. Et puis le deuxième levier sur lequel je vais vous proposer, sur lequel on va s'arrêter quelques minutes, je vais vraiment survoler ce thème-là, c'est celui, alors ici ce terme leadership qui est en anglais, parce qu'à ce jour, je n'ai pas encore trouvé le mot français qui puisse traduire le plus fidèlement possible ce que veut dire leadership. Dans leadership, il y a cette notion de voyage, de déplacement, dans une conduite, dans le fait que je me conduis, je me porte, je me comporte et puis j'emmène avec moi une équipe constituée de personnes. Voilà pourquoi encore aujourd'hui j'utilise le terme leadership. Dans toute entreprise, on essaye de répondre à 6 questions qui là aussi sont en anglais parce que j'ai des tendances un peu bicanales. Parfois je m'exprime en anglais, parfois en français. Voilà. Je voudrais bien m'excuser pour ces quelques mots qui, parfois, vous apparaîtront en anglais. Ces 6 questions qui sont qui, quand, où, quoi, pourquoi et comment. À votre avis, quelle est la question la prioritaire, la plus importante, la première question à laquelle il s'agit de trouver une réponse quand on est en train de monter une entreprise ou quand on est à sa place de travail? Monsieur, pardon. Why, c'est-à-dire pourquoi. Oui, entièrement d'accord avec vous. Une idée de la raison pour laquelle c'est cette question qui, pour certains, est la plus importante. Ah. Oui. Absolument. Tout est dans le limbique. Oui, c'est ça. Merci pour votre réponse. En effet, la question la plus importante à se poser, en tout cas la prioritaire, c'est le pourquoi. On va en découvrir un petit peu plus d'ici quelques minutes. Je vais vous proposer d'aborder en fait les réponses à 3 questions avec vous ce soir. C'est pourquoi, quoi et comment. Et puis les 3 autres questions. On va également aborder la question du qui. Voilà les 4 questions sur lesquelles je vais vous emmener maintenant. Pourquoi? Alors, comme l'a dit monsieur, c'est ici la question finalement essentielle,
parce que c'est celle qui nous permet de trouver du sens à ce que nous avons envie de faire dans la vie en termes d'activité professionnelle. C'est en cherchant la réponse à cette question que l'on peut trouver la contribution au monde que peut être la mienne, avec l'impact que ça va avoir sur ce monde en question. C'est la raison pour laquelle dans mon logo, vous l'aurez vu, je mets un H majuscule parce que l'humain est vraiment au centre de nos, et doit être et rester au centre de nos organisations, l'humain avec sa façon de fonctionner. Et notre cerveau est absolument déterminant dans cette approche et dans notre positionnement au travail. Je prends comme exemple la situation de l'association qui nous accueille aujourd'hui, Aprévost. Aprévost, et on trouve ceci sur son site internet, a défini une vision. Autrement dit, a élaboré une raison d'être. En se posant la question, il y a quelques mois, on a partagé ce moment, Constance, en voulant remettre en question en fait sa raison d'être. Mais en fait, on est ici pour apporter quoi au monde, premièrement. Et puis, deuxièmement, en fait, quel est l'impact qu'on souhaite provoquer dans ce monde? Ça, c'est la réponse à la question du pourquoi. Et puis ensuite vient la réponse à la question du quoi. Et là, on va parler de la mission. La mission, en fait, de toute entreprise consiste à définir comment est-ce qu'on met en œuvre la concrétisation de notre raison d'être. Comment est-ce qu'on agit? Quelles sont les actions que nous allons mener? Et c'est là où on peut commencer à parler d'objectifs. Alors vous avez aussi ces différentes actions, ces différents objectifs que Aprévost s'est fixé pour faire en sorte que sa vision se réalise et que l'impact voulu puisse se vivre. Et enfin, la question suivante, qui ? Cette question-là, elle concerne en fait toutes les personnes que nous sommes, que ce soit à l'intérieur, à l'interne des organisations, des entreprises, des administrations au sein desquelles nous travaillons, que les personnes qui sont en dehors de ces organisations, les bénéficiaires, les partenaires, les clients. Comment fonctionnons-nous? Telle est la question. Alors, on a dans le monde du travail, Aline parlait tout à l'heure des besoins élaborés par Abraham Maslow. Plus spécifiquement dans le monde du travail, il y a deux psychologues, psychiatres et sociologues américains que sont Deci et Ryan qui ont fait des recherches sur les besoins fondamentaux de l'humain au travail. Et ces deux messieurs, après des années de recherche, ont pu identifier que les trois besoins fondamentaux pour tout un chacun au travail, c'est d'abord le besoin de compétences. Le besoin de compétences, c'est-à-dire que chacun de nous a besoin de pouvoir valoriser ses connaissances, les mettre en œuvre et les exploiter. C'est ça qu'on appelle la compétence, quand je deviens capable d'utiliser mes connaissances et de produire du concret. On a toutes et tous ce besoin-là. Le deuxième besoin qu'ils ont identifié, qui correspond à l'un des besoins identifiés par Maslow également, c'est celui d'être en relation avec les autres. C'est ce besoin social. Quoi qu'en disent certaines et certains, nous sommes toutes et tous interdépendants. Vivre seul, personnellement, je n'y crois pas. Et puis le troisième besoin identifié par ces deux messieurs au travail, c'est celui de l'autonomie. On a toutes et tous un besoin d'autonomie. Alors, bien sûr qu'il va être différent d'une personne à l'autre, mais ça veut dire qu'on a toutes et tous besoin de pouvoir naviguer dans une zone qui nous est propre, où nous sommes seuls décideurs et où nous sommes seuls à prendre une responsabilité. On a besoin de ça. Et les détracteurs de cette
de ce constat-là, qui disent non, non, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise tout comment faire, tout quoi faire. C'est vrai, ces personnes-là existent parce qu'on les a habitués à ça. Par nos éducations, tant familiales que scolaires ou professionnelles, mais fondamentalement, ces deux messieurs ont identifié ce besoin d'autonomie. Qu'est-ce qui va nous permettre maintenant de savoir, alors c'est bien de découvrir qu'on a ces besoins-là, ok, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir vérifier que ces besoins-là, nous sommes capables de les satisfaire ou pas quand on est dans le monde du travail? Eh bien, c'est le rôle de nos émotions. Ali nous en a brièvement parlé tout à l'heure. Paul Ekman, autre psychologue psychiatre américain, a identifié, lui, 6 émotions de base qui se manifestent sur un plan physiologique. C'est un très court instant. Ce sont les 6 émotions que vous voyez ici qui sont, en fait, qui ont comme fonction de nous alerter. La joie va nous alerter quand tout va bien, j'ai satisfait l'un ou l'autre de mes besoins, donc je suis content. Et à ce moment-là, je peux parler de bonheur. La peur, par exemple, elle va nous alerter d'un danger. C'est un réflexe de protection, la peur, rien d'autre. La colère, elle, va nous alerter d'une potentielle agression. Donc, là aussi, c'est une alerte pour nous protéger et nous préparer à nous défendre. Il est bien connu que l'énergie contenue dans la colère, elle a comme but, premier, de nous protéger, et ensuite, d'engendrer une action. La tristesse, elle va nous alerter en cas de perte. J'ai perdu mon job, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu mon meilleur ami, je vais ressentir de la tristesse. C'est pour nous aider à accepter cette perte. Et ces émotions, c'est vraiment le vivant qui est en nous. Parce que ce sont ces émotions qui vont initier des comportements, des attitudes, des actions. Tout part de là. Consciemment ou inconsciemment, tout part des émotions. Et alors, j'entends parfois dire, les émotions d'entreprise n'ont pas leur place. Ah bon ? Moi, humain, ça veut dire qu'alors j'ai pas ma place non plus dans votre entreprise. Donc là, il est temps, et ça c'est un de nos gros défis, d'accueillir les émotions dans le milieu du travail, d'accueillir les émotions en entreprise. C'est-à-dire de travailler, et c'est ce que nous pratiquons dans nos accompagnements, dans nos formations, dans nos coachings, dans nos prestations de consulting, de développer en entreprise cette intelligence émotionnelle que je préfère appeler en fait compétence émotionnelle. La compétence émotionnelle, c'est en fait la faculté, tu me contrediras ou tu me confirmeras ce que je vais dire là, c'est la capacité de réguler une émotion. Que veut dire réguler une émotion? Est-ce que quelqu'un a une proposition à nous faire? Oui, monsieur. Oui. Excellent. Oui. Une autre proposition? Oui. C'est réussir aussi à prendre le temps de rester avec son émotion. Oui. Ouais, excellent. Très bien. Oui, réguler l'émotion, c'est ça se passe en 3 temps. Le premier temps, c'est d'accueillir. Ah, il y a quelque chose qui se passe en moi. Ok. J'accueille, je m'arrête dessus. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Deuxième temps, c'est de reconnaître l'émotion. En fait, c'est quoi? C'est la colère? Est-ce que je suis plutôt triste? Est-ce que je suis dubitatif? Est-ce que je suis complètement surpris? Est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qui se passe? De reconnaître l'émotion. Et puis la troisième étape, comme le disait monsieur, c'est d'exprimer l'émotion.
Parce que le fait de l'exprimer, vous allez lui laisser toute la place de pouvoir finalement passer, de pouvoir vivre et de passer son chemin pour reprendre le cours normal de votre vie, tout simplement. Et une fois que l'émotion est passée, on prend les choses normalement. Oui ? On avait prévu les questions à la fin, si ça vous va. C'est OK pour vous ? D'accord. Ben on, j'essaierai de me rappeler, de vous rappeler de la poser. D'accord, OK. Parce que l'inverse, c'est-à-dire ce qui consiste à refouler les émotions, ce qu'on a tellement bien appris à faire. Un garçon, ça ne pleure pas. T'as pas le droit d'être triste. Une fille, mais ça ne crie pas. Enfin, on se tient bien, mademoiselle, s'il vous plaît. Une fille n'a pas le droit d'être en colère, donc on n'a pas le droit de vivre. Puisque l'émotion, c'est le vivant en nous, et c'est quelque part nos guides, les émotions. Donc elles ont toutes leurs raisons d'être. Refouler une émotion, c'est-à-dire ne pas l'exprimer, ne pas la reconnaître, ne pas l'accueillir, qu'est-ce que ça peut créer à votre avis ? Vous avez une idée ? Potentiellement, oui. Qu'est-ce que peut créer le fait de frustration ? Oui. Ah ! Mal à dit. T'es mal. Oui, monsieur. Devenir dangereux ou créer des situations dangereuses qui est pour les deux parties ou pour plusieurs parties oui. Face. Oui, on revient donc à la violence qui a été, oui, qui a été évoquée. Oui, oui. Ah, excusez-moi. Oui. Non, non, je, okay, c'est très bien. C'est une autre façon de l'exprimer, c'est bienvenu. Donc c'est ça, le fait de refouler une émotion, donc de la contenir, de ne pas lui laisser la place, de ne pas l'exprimer, ça va créer un impact nocif. Alors il y a ceux chez qui ça va faire peu d'effet, puis il y a ceux qui sont peut-être plus sensibles, chez qui ça peut faire des ravages. Et ça va jusqu'au stade de déclencher potentiellement des maladies. Les progrès en neurosciences nous permettent de plus en plus de pouvoir mesurer ça, de pouvoir scientifiquement l'expliquer. Eureka, eureka. Ça, c'est pour les émotions. Et je vous disais, l'émotion, elle a comme fonction de nous alerter sur le fait que l'un ou l'autre de nos besoins est satisfait ou pas. Dès le moment où l'un de ces besoins ne serait pas satisfait, qu'est-ce qui se passe ? On va inconsciemment tout faire pour tenter de le satisfaire. Et c'est là où la motivation entre en jeu. La motivation veut dire, c'est le motif d'action. Motivation, motif, action. Et c'est quelque chose qui vient d'ici. Alors comme l'a relevé tout à l'heure Aline, nous connaissons deux, il y a même trois types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient, que nous créons nous, parce que nous produisons un effort, nous sommes stimulés à produire un effort pour satisfaire un besoin en fonction de quelque chose qui fait sens pour moi. C'est moi qui ai envie d'aller là-bas. Personne d'autre, nobody else. Ça, c'est la motivation qui vient de moi, motivation intrinsèque. Il y a le deuxième type de motivation, c'est la motivation extrinsèque. C'est une motivation dont l'origine se trouve à l'extérieur et qui me contraint à me mettre en mouvement. Donc c'est une motivation, quelque part, que je peux subir. OK ? Troisième type de motivation, c'est la motivation. A motivation, c'est quand il n'y a pas de motivation. C'est le début de la démotivation dont tu parlais tout à l'heure, Aline. Et ça existe, on ne ressent plus rien. OK, très bien. Intéressant maintenant de voir quel va être l'effet
de l'une et l'autre de ces motivations. Dans le temps, je vous donne un indice. Selon vous, quelle est la durée de l'effet de la motivation extrinsèque ? On voit ici sur mon illustration qu'il peut y avoir une motivation extrinsèque positive, hein, c'est les éloges, les compliments, un salaire sympathique, un bonus, comme il peut y avoir une motivation extrinsèque négative, c'est les reproches, ce sont les jugements, ce sont les blâmes. Pardon. Oui, merci. Quel effet a ce type de motivation extrinsèque dans le temps, selon vous ? Oui, court, exactement. Ça disparaît très vite. Alors que la motivation intrinsèque, celle que nous créons, elle s'inscrit vraiment dans la durée. Quand on trouve du sens à son activité, quand on peut s'épanouir à sa place de travail, on est content chaque matin de se lever pour y aller. Ça dure. Et on recommence. Chouette, c'est super. Quelqu'un disait, je cherche son nom, je ne le trouve plus. Oui, c'est un dénommé MacGregor, c'est aussi un psychologue américain. Lui disait... En fait, on ne peut motiver personne d'autre que soi-même. Oh ! Alors quand je déclare ça à des chefs d'entreprise, à des chefs d'équipe, à des leaders, mais comment ça ? Moi, je pourrais pas motiver mon équipe ? Non. Alors ils me disent tous, mais alors qu'est-ce que je peux faire ? Si je ne peux pas motiver mon équipe, si je ne peux pas motiver mes gens, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, très bonne question. Qui parmi vous a une idée ? Oui. On les invite à se motiver eux-mêmes. Oui, en quoi faisant ? En leur donnant de l'autonomie. Oui, exactement. Notre responsabilité en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'équipe, c'est de créer l'environnement dans lequel les personnes vont s'auto-motiver, vont pouvoir mobiliser leur motivation intrinsèque. C'est là où nous pouvons agir. Et ça, c'est une autre piste d'action dans notre monde du travail actuel. Dernier point sur un plan de l'individu à titre individuel et de son, finalement, son fonctionnement, c'est tout le monde des perceptions. Vous avez certainement déjà entendu parler de perception et là j'ai envie de partager avec vous une histoire pour vous donner un exemple. Chaque année, depuis quelques années, ma compagne et moi partons en vacances. Après avoir beaucoup travaillé, nous sommes fatigués et nous nous réjouissons de partir en vacances. Et nous choisissons chaque année la Bretagne parce qu'on adore cette région, elle est encore sauvage, authentique et on peut y respirer l'iode qui est très bon pour la santé. Habituellement, nous partons à deux, on trouve une maison d'hôte sympa Bonnard. Et puis l'année dernière, en 2023, tout à coup on se trouve trois couples à avoir envie d'aller en Bretagne. On s'entend bien, on se dit mais c'est génial, on va vivre une expérience magnifique. Mais alors cette fois-ci, ça pourrait être mieux qu'on loue une maison, qu'on trouve une demeure où nous allons les six. Tout le monde est d'accord, magnifique, très bien. Je me mets à faire des recherches sur Internet pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, pas. À un moment donné, je commence à perdre patience. Je commençais à ressentir de la peur de pouvoir éventuellement perdre la possibilité de. Et jusqu'au jour où je trouve à louer une demeure exceptionnelle. J'étais à milieu d'imaginer pouvoir passer des vacances avec des amis dans ce genre de demeure. Incroyable. Il m'a fallu... Bon, à votre avis, quel genre de demeure s'agit-il ?
Qui voit quelque chose? Ça m'intéresse. Une belle bâtisse en pierre, les couleurs rouges, bleu. Voilà, une belle demeure. Une autre. Moi, j'ai fait une sorte de palais avec des dorures, des fondations d'adresse. C'est encore mieux que ce que j'ai trouvé. Quoi d'autre? Une yurte. Une yurte. Encore de l'exceptionnel. Oui, madame. On ne parle pas au bord de la mer. Oui, ah oui, en Bretagne, génial. Donc vous voyez, on a 4, oui, 5. Quelque chose que, comme vous savez, les 3, c'est la réalité. Les 6 personnes qui n'ont jamais imaginé ça existe. Oui, bah, et vous pensez à quoi? Je ne sais pas. Ah. Justement, c'est ça le challenge. Alors, ça pourrait être, ça a été évoqué ici, un manoir, hein, une maison de maître, un manoir. Ou alors c'est peut-être à ça que vous pensez. C'est la cabane chic. Voilà. On a ici 2 demeures exceptionneles. Ben, vous voyez, on a eu 5, 6 perceptions différentes pour une même description. Comment ça se passe? Nous, chacun de nous entend, voit des choses. Ce sont ce qu'on appelle ici les données extérieures qui vont nous parvenir et qui vont en fait passer à travers un filtre. On appelle ça le filtre, qui est constitué de notre éducation, de nos valeurs, de nos expériences de vie, de nos éducations scolaires, de nos éducations familiales, de la façon dont nous prenons des décisions, de la façon dont nous traitons l'information. De chacune de ces données extérieures, on va en faire une représentation interne. On va s'en faire notre réalité. Et c'est une réalité totalement subjective. Cette réalité subjective, elle va déclencher ici un état émotionnel. Un état émotionnel, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la satisfaction, ça peut être une forme de crainte. C'est un état émotionnel, c'est l'émotion de base qu'on a vu tout à l'heure qui se transforme en sentiment et lui, il s'inscrit dans la durée. Et ce sentiment qui s'inscrit dans la durée, il va, tôt ou tard, déclencher un comportement. Vous avez parlé tout à l'heure de comportements de violence. Vous aussi, voilà, typiquement des comportements qui proviennent de représentations internes que nous nous faisons d'une certaine réalité. Donc ça, c'est aussi à tenir compte dans le cadre de nos interactions en entreprise. Quand on parle d'un objectif, quand on parle d'une action, quand on parle d'un cahier des charges qui a été évoqué tout à l'heure, quelle est la compréhension que chacune et chacun en a? C'est hyper important d'aller valider ça. Ce qui manque beaucoup aussi en entreprise, pour passer sur le thème suivant qui est toujours dans l'une des réponses à la question « comment ?», ben, la communication, c'est une des réponses qui nous permet de définir comment est-ce qu'on va s'y prendre pour collaborer. Alors ici, avec un peu d'humour, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, nos appareils électroniques qui finalement nous coupent les uns des autres. Le même Simon Sinek, dont monsieur parlait tout à l'heure, publie chaque jour une phrase... Oui, une phrase, et dernièrement il disait « Les publications que nous envoyons par les réseaux sociaux provoquent des réactions, déclenchent des réactions. Alors que le dialogue déclenche des conversations. » Et c'est exactement ce qui était évoqué tout à l'heure en parlant des emails au travail, à un moment donné, non, privilégions le contact direct. C'est beaucoup plus instructif et beaucoup plus riche, et ça donne du sens. La communication au tout début... D'accord, je vais essayer. Merci, Constance. La communication avait comme sens de mettre en commun, de partager. Les gens se réunissaient sur les agora partageaient leur expérience de la journée, leur vécu, puis après ils retournaient chez eux. Depuis
l'arrivée de l'imprimerie au XVIe siècle, la communication a changé de sens, enfin a évolué dans sa signification, c'est devenu le fait de transmettre et de diffuser de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un moment donné, c'est exactement la problématique de l'email. J'écris une information, je transcris une information à un moment donné, à un endroit donné, puis je l'envoie, je la transmets, et la personne va la recevoir à un autre endroit et à un autre moment, potentiellement. Donc ça va créer un décalage dans le sens initial de l'information, qui se traduit très bien par ce schéma ici d'encodage et de décodage, où entre ce que je veux dire et ce qui sera retenu à la fin, il y a une perte potentielle de 80%. Et dès le moment où la personne va encore répéter ce message, il y aura encore une perte de moitié. Donc on voit ici l'importance de la communication. La communication et surtout son impact qui se joue sur deux plans. Il y a une partie de notre communication qui se joue sur le plan conscient, c'est le contenu de ce que nous disons, c'est les mots et les phrases. Et puis tout le reste de notre communication, c'est-à-dire le non-verbal, la façon dont je me tiens, la façon dont je me comporte, vont avoir un impact sur le plan subconscient. Et c'est là où se joue l'essentiel de l'impact de notre communication. Donc quand je communique avec quelqu'un, les mots c'est une chose, mais la façon dont je communique, c'est bien autre chose et c'est celle-là qui a le plus d'importance. Alors par rapport à cette communication, je vous présente ici très rapidement trois outils que nous pouvons utiliser. Le premier d'entre eux, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits, mes droits, dans quelque situation que ce soit, sans empiéter sur ceux de l'autre. Donc en respectant l'autre. On reparle de la différence qu'on évoquait tout à l'heure. Le deuxième outil, c'est celui de la communication non violente, abrégé par CNV de Marshall Rosenberg, qui a comme sens et comme objectif de privilégier le lien et la relation à l'autre. Donc dans une situation de tension, voire dans une situation conflictuelle, je vais me contenter de décrire ce qui se passe, de décrire l'émotion, le sentiment que ça déclenche en moi, de décrire ensuite le besoin, respectivement la valeur qui est touchée, pour ensuite aller formuler une demande à l'autre, c'est-à-dire d'aller chercher un accord. Et non pas de juger, d'évaluer et d'exiger. Et puis Thomas d'Ansembourg, qui est un ambassadeur de Marshall Rosenberg pour toute l'Europe, lui, il a identifié quatre pièges de la communication. Ce sont les jugements, ce sont les croyances, ce sont les pensées binaires, ou bien, tu as raison, tu as tort. Tu as raison, tu as tort. voilà typiquement l'un des pièges de la communication. Puis le quatrième d'entre eux, c'est le langage déresponsabilisant. Tu dois faire ça, il faut que tu arrives à l'heure, il n'y a qu'à faut que. Quelqu'un qui entend ce genre de formulation, comment voulez-vous qu'il puisse tout à coup prendre quelque responsabilité que ce soit, réfléchir de quelque manière que ce soit et se sentir autonome? Très compliqué. Voilà. Prendre conscience de ces quatre pièges peut nous aider à, pour reprendre les propos d'Aline tout à l'heure, transformer des climats de méfiance qui existent encore beaucoup dans bon nombre d'organisations professionnelles en un climat de confiance, parce que ce que vous êtes, de toute façon, parle plus fort que ce que vous dites. Je passe rapidement sur le deuxième levier nous permettant de relever ces défis qui nous intéressent ce soir, c'est celui du leadership. Le leadership, j'en parlais très brièvement tout à l'heure, il y a deux leaderships. Il y a
Le self-leadership, c'est quoi le self-leadership? C'est est-ce que je suis au clair sur mon propre positionnement dans mon organisation, dans ma famille, dans ma vie? Et puis, est-ce que je suis au clair sur la façon de mener ma barque? Est-ce que je suis au clair sur la façon d'atteindre la destination qu'il s'agit d'atteindre? Et puis sur un plan collectif, c'est le team leadership, donc c'est le leadership de groupe, d'équipe, c'est cette capacité de pouvoir fédérer et de pouvoir mobiliser des personnes à atteindre un objectif commun, à se rendre ensemble dans une seule et même direction. Ce leadership, à contrario du management, il a pour moi comme sens d'évoluer d'une organisation à fonctionnement de pouvoir sûr, qui est très clairement représenté par les organigrammes que nous connaissons bien, à des organisations à pouvoir avec. C'est-à-dire que personne n'est plus important qu'un autre. Il s'agit ici de clairement répartir les responsabilités en passant des accords très clairs. Qui fait quoi, quand et comment? Qui répond à qui? De façon à ce que la vapeur puisse être renversée. La problématique encore aujourd'hui que je constate régulièrement dans mes accompagnements, c'est celle de l'ego. On a encore aujourd'hui des personnes, ça peut être des femmes comme des hommes, qui ont un ego suffisamment présent pour tenir à leur pouvoir sur eux-mêmes et sur les autres. Et ça, ça peut être difficile. Et de discuter très franchement avec ces gens-là, ça peut aider à avancer, ça peut les aider à prendre conscience qu'on peut arriver au même but, on peut arriver à la même productivité en s'y prenant différemment. Hein, c'est la formule magique consistant à dire que le résultat d'une équipe est supérieur à la somme des résultats individuels des membres qui la constituent. Le leader, il doit avoir, lui, 4 compétences très claires. C'est l'autogestion, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, c'est la gestion de l'équipe. Hein, une équipe, c'est un groupe de personnes, oui, certes, mais il y a 3 critères nécessaires. Il y a besoin d'un objectif commun qui est adhéré par tous les membres de l'équipe, qui est accepté par tous les membres de l'équipe. Il y a besoin d'avoir une approche commune, on s'y prend de la même manière, parce que sinon on va se tirer dans les pattes. Et puis, il y a aussi besoin d'avoir une responsabilité, d'avoir une redevabilité. On doit être très au clair sur ce que nous devons rendre en termes d'équipe. Hein, si je reviens à la raison d'être, quelle est ma contribution pour le monde, avec quel impact, ben moi, équipe, quel est le rôle que je joue là-dedans? Voilà, ça, ce sont les 2 leviers que je voulais partager avec vous ce soir. Celui des relations humaines, parce que tout commence par chacune et chacun de nous. Si nous n'étions pas là, si nous ne vivions pas, nous n'aurions pas d'organisation professionnelle. Nous n'aurions pas de résultats. Tout commence par nous. Et on ne choisit pas forcément ses collègues. Alors il y a des collègues qu'on va apprécier, ça va bien se passer, puis il y en a qu'on ne va pas forcément apprécier. Il y a les affinités qui entrent en ligne de compte, et c'est parfaitement humain, c'est parfaitement normal. Mais comme on ne choisit pas, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir des relations qui soient les meilleures possibles? Eh ben, c'est de bien communiquer. Si vous voulez des relations de qualité, adoptez une communication de qualité. Et là, vous avez quelques outils qui vous ont été et par Aline et par moi, présenté pour y parvenir. Puis le leadership, ben la communication en fait partie. Comment est-ce que je communique? Hein, c'est cette capacité à pouvoir accepter les différences, à écouter ces personnes, les membres de l'équipe. Je constate souvent dans mes accompagnements que les problèmes surviennent parce que les attentes réciproques ne sont pas partagées. En fait, moi,
collaboratrice, collaborateur, j'aime pas ce mot, mais voilà, pour que ce soit compréhensif, pour pouvoir être performant, pour pouvoir être efficace, en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Ben, il est important pour le leader, pour le responsable, le chef d'équipe, de connaître les attentes, respectivement les besoins de chacune et chacun des membres de son équipe, pour qu'il soit performant. Donc ça demande de l'abnégation, ça demande de l'écoute, ça demande de l'empathie. Voilà les qualités qu'un leader doit avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime bien ce terme leadership, parce que c'est vraiment un voyage. Voilà. En conclusion, je vais vous inviter à vous poser trois questions. C'est trois questions que vous pouvez prendre avec vous pour, si vous le souhaitez, remettre en question votre pratique actuelle dans et à votre place de travail. On retrouve d'ailleurs quelques-unes des six questions qui apparaissaient en amont. Est-ce qu'on prévoit d'envoyer la présentation pour que ces messieurs, dames puissent avoir ces questions ? Oui, pour moi, c'est OK, ouais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans ces défis qui nous attendent, défis humains et environnementaux dans notre monde du travail. Bon courage, courage, je dis ici, la vie sans cœur n'a pas valeur d'être vécue. C'est une déclaration de Bruno Bagnou, fondateur d'Air Glacier, qui est décédé dernièrement et qui était un leader reconnu par ses équipes. Courage parce que courage veut dire agir avec le cœur et non pas la raison. Et quand on agit avec le cœur, en général, ça ne peut que bien se passer. Donc je vous souhaite bon courage dans ces défis qui sont nombreux à relever. Et puis, on peut passer, si ça va pour toi, Constance, à la partie des questions. Merci pour votre attention.